sénile. Je puis faire revivre ton duc. Mais il te faudra ignorer la peur. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Tu as raison. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Mais il y a un autre moyen. Le temps est comme une montagne trouée de galeries souterraines. Je connais les formules qui permettent de les emprunter. Je connais Enguerrand. Enguerrand, le balafré, pour vous servir. Et voici mon fidèle Ganelon. Je peux te faire revenir un court instant avant le moment où tu as tué le duc. Et si tu trouves suffisamment de vaillance en toi-même, tu pourras alors dévier le tir de ton arbalestrie. Tu pourras épouser ta promise. Et avoir la descendance dont tu rêves. N'écoutez pas, messire, c'est une folie! J'ai mis ma poudre de limace. Ah, oh, ça fait un moment que je ne pratique plus, je perds la mémoire. Voilà, il gatouille. Ah, la voilà. Si tu n'as point de peur, Godefroy le Hardi, tu réapparaîtras dans la forêt un moment avant l'accident. Méfiez-vous, messire, c'est un vieux fou! Si messire Godefroy ne revient pas, on t'emmurera vivant dans les oubliettes du château, avec ton maudit grimoire. Ayez confiance. Ne buvez pas, messire! Ça va vous transformer en crapaud, en chauve-souris, en bouc, en cul de nonne. Tu as peut-être raison. Tiens, bois en premier. Moi? Je verrai bien si tu te transformes en cul de nonne. Mais... si cela se produit, je te vengerai. Bois! Ça va, ma fripouille? C'est un goût de fiente de porc. Je ne fais point les méchancetés des sorcières. Vois prestement que je puisse prononcer la formule. Mais si j'ai bu, je vais partir aussi. Dis ta formule. Maigre. Père en route. Père solemne. Ce bruit, sur quoi tu marchais? Des œufs pourris! J'ai omis les œufs de caille? Oh, c'est une catastrophe!